Annabelle, qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas jouer avec tes jouets? J'ai une idée. On va jouer à cache-cache. Attention. Coucou. 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 Annabelle, où est-elle? Elle est peut-être là-bas. Annabelle, tu es là? Elle n'est pas là. Mais où peut-elle bien être? Annabelle, tu es là? Annabelle, Annabelle, Annabelle. Peppa, qu'est-ce que vous faites là? Je pensais que vous jouiez à cache-cache. On se cache avec Annabelle. Peppa, la prochaine fois, il faudra me prévenir que tu joues à cache-cache. J'ai eu tellement peur. D'accord, Lucie. Mais Annabelle aime tellement jouer à cache-cache. On va jouer tous ensemble alors. C'est moi qui vais chercher la première. Je compte jusqu'à 10. 1, 2, Annabelle. On va se cacher. 5, 6, 7. Où est-ce qu'on se cache? Sous le lit. Maintenant, c'est notre tour de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va chercher Peppa maintenant, hein, Annabelle? Peppa, on vient te chercher. Resterait-elle sous le coussin? Non, elle n'y est pas. Peut-être est-elle dans la commode. On va regarder. Oh, dans la commode, elle n'est pas là non plus. Elle est peut-être dans l'étagère. Peppa! Elle n'est pas là non plus. Où peut-elle bien être? Elle est peut-être derrière ce coussin? Ici non plus. Annabelle, tu l'as trouvé! Annabelle, tu as trouvé Peppa! Bravo! Annabelle a déjà bien joué. Maintenant, il faut aller manger. Et vous, vous aimez vous cacher? Écrivez-nous un commentaire. À bientôt, les amis. Annabelle. Pourquoi pleures-tu?
veut peut-être la sucette? Elle continue encore de pleurer. Annabelle, je vais te bercer. Peut-être veut-elle manger. Je vais te préparer de la purée pour bébé. Viens me voir, Annabelle. On va manger la purée maintenant. Annabelle, Annabelle, qu'est-ce qui se passe? Annabelle, ne pleure pas, ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut sûrement manger. Peppa, apporte-lui son biberon, s'il te plaît. Oui, je suis en train de le préparer. Je vais allumer la bouilloire. Annabelle, on va manger maintenant. On va manger.
Allez, mange, Annabelle. Tu veux pas manger? Bon, viens ici alors. Bah, la couche est propre apparemment. Tu veux peut-être un jouet? Tu veux le jouet? Je comprends rien à ce qui se passe. Quel temps merveilleux! J'irai bien me promener. Et moi aussi. Mais pourquoi tu pleures alors? Il fallait le dire dès le début que tu voulais te promener. Mais je pensais que vous auriez deviné. Annabelle, et tu veux qu'on devine? Allez, prépare-toi maintenant. Attends un instant, je vais aller chercher la poussette. Et voici notre poussette. Tu as une grande poussette, Annabelle. Et maintenant, on va mettre le matelas pour que tu te sentes à l'aise. Et s'il fait soleil, on peut couvrir. Lucie, et si je suis fatiguée de me promener en poussette? Annabelle, si tu es fatiguée, on enlève la poussette. Et je te porterai dans le landau. Annabelle, maintenant on va t'habiller. Comment on va t'habiller? Voici, ça semble bien. Ah oui, ça c'est un vêtement chaud. Elle ne prendra pas froid. Allez, viens Annabelle, on va te changer maintenant. Et maintenant, on va mettre le costume. Annabelle, qu'est-ce que tu es belle! Et il faut un bonnet aussi pour couvrir la tête de Annabelle. Bien dit, Peppa. Et oui, il faut mettre le petit chapeau. Oh! Et voilà, Annabelle est prête pour s'asseoir dans la poussette. Et on va lui rajouter la petite couverture. Et on va prendre les couches. Au cas où. Et on emporte aussi les jouets. Et on prend aussi la bouteille d'eau d'Annabelle. Ah, merci, Peppa. Tu n'as pas froid? Peut-être que toi aussi, tu aurais besoin d'un manteau. Non, j'ai pas froid. Allez, on va se promener maintenant. D'accord, allez, on va se promener. Ah, il fait bon dehors. On est prêt pour la promenade. En avant toutes! Annabelle, qu'est-ce que je suis contente de me promener avec toi! Et toi? Oh, moi aussi, Peppa! Tu n'as pas froid, Annabelle? Non, Peppa! Je me sens si bien! Oh, moi aussi! Il fait bon! Oui! Et il fait soleil en plus! Oh! À bientôt, les amis! Annabelle, regarde, j'ai trouvé ta pelle. Annabelle. Annabelle. Où a-t-elle bien pu passer? Je suis juste chercher une minute à aller chercher sa pelle. Annabelle. Annabelle.
Annabelle! Lucie, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un appel au secours. Annabelle a disparu. Je ne la trouve nulle part. Ne t'inquiète pas. On va la trouver, c'est sûr. Mais je m'inquiète. Et si jamais elle était passée de l'autre côté de la route? Quel cauchemar! Ne t'inquiète pas, s'il lui est arrivé quelque chose, j'en aurais été informée. Oh, merci Polly, tu m'as rassurée. Oh! Et si elle était passée de l'autre côté de la piscine? Oh, je n'ose même pas m'imaginer cela. Oh mon Dieu! Je vais trouver l'hélicoptère et l'en informer tout de suite. Allô, Ellie! Annabelle a disparu. Il faut vérifier si elle n'est pas tombée dans la piscine. Salut, Polly. Je suis déjà en train d'effectuer les recherches. Bonjour les sirènes. Vous n'avez pas vu Annabelle à tout hasard? Non, on ne l'a pas vue. Il lui est arrivé quelque chose? Annabelle a disparu. Si jamais vous la voyez, informez-en tout de suite pour aller. Quelle mauvaise nouvelle! J'espère que vous la retrouverez saine et sauve. Allô? Polly? Personne n'a vu Annabelle près de la piscine. Oh, merci, Helle, j'ai compris. Roy, j'ai besoin de ton aide, maintenant. Salut, Polly. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Annabelle a disparu. Va jeter un œil pour voir si elle n'est pas chez les pics. J'ai compris. J'y vais de ce pas. Haha, dinosaure. Quel beau temps aujourd'hui. Oh, Roy, bonjour. Il s'est passé quelque chose? Ah, bonjour, Peppa. Tu n'as pas vu Annabelle à tout hasard? Non, je ne l'ai pas vue. Ici, il y a simplement moi, George, papa et maman. Et dinosaure. J'ai compris. Allô, Paul? Donc, Annabelle n'est pas chez les pics? Merci, Roy. On va continuer les recherches. Oh, Annabelle, elle est si petite, si fragile et sans défense qu'il lui est peut-être arrivé quelque chose de grave. Oh, c'est quoi ce bruit? Je vais aller voir ça. Annabelle, tu étais là? On t'a cherché partout pendant tout ce temps. Annabelle, te voilà enfin. Oh, comme je suis heureuse de t'avoir trouvée. Annabelle, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Annabelle, tu as aimé ce chien? Bon, si tu veux, on l'emmène à la maison. Alors, Annabelle, comment est-ce qu'on va l'appeler ce chien? Buddy. C'est Buddy. Et vous, vous avez des animaux de compagnie? Comment s'appelle-t-il? Laissez-nous un commentaire et dites-le nous. À bientôt.